Alors, comment insérer une page en mode paysage dans un document qui est en mode portrait? Alors, pour faire ça, il est nécessaire d'utiliser les sauts de section. Il y a deux façons de faire. Donc, on va faire la première méthode avec l'insertion, hein, directement des sauts de section. Donc, imaginons par exemple ici, on est à la fin du document. On va insérer une page en mode paysage après cette page-là. Donc, mise en page. Hein, donc, saut de page, saut de section, on va faire page suivante. Voilà. On va passer quelques lignes pour simuler le texte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est activer les symboles. Voilà. Voilà, on a bien le saut de section ici. Alors, toujours le même problème sur ce numéro de page X sur Y. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, donc il suffit de se référer à la vidéo sur la pagination complexe en manipulant les codes de champ. Donc, on le fera tout à l'heure, la modification. Donc, ici, il suffit de retourner dans mise en page. Orientation, paysage, voilà. Et si jamais vous voulez donc continuer votre document en mode portrait, bah, il suffit de réinsérer donc mise en page, saut de page, un saut de section. Alors, on va simuler du texte et de mettre cette page-là donc en portrait. Voilà. Alors au niveau, je disais donc de la numérotation, il suffit donc de double-cliquer. Je vous rappelle, voilà F9 pour remettre à jour. Voilà, donc 10 sur 11, 11 sur 11, il n'y a pas de souci, il a recalculé correctement. Donc voilà, hein, pour la première méthode, l'insertion donc du saut de section obligatoire, hein, pour générer cette page en mode paysage. Alors on va annuler. Voilà, ici, on est revenu comme tout à l'heure. Alors la deuxième méthode, un peu plus rapide, c'est d'utiliser donc le menu mise en page. Ici, voilà, vous avez un petit bouton gris. Donc c'est la boîte de mise en page en fait ici. Et si on regarde bien ici, on peut donc appliquer donc le mode paysage en faisant, voilà, ici donc marge, paysage. Alors, si on le laisse comme ça, évidemment, il va l'appliquer à toute la section, donc ce qui m'intéresse pas, mais par contre, on peut le faire à partir de ce point. Ok. Et voilà, il a généré, donc, on voit bien qu'il a aussi généré un saut de section, mais automatique. Alors, si vous voulez continuer donc le mode portrait ensuite, même principe, hein, donc mise en page, portrait. À partir de ce point, ok, c'est un petit peu plus rapide, mais ça utilise bien encore une fois donc le saut de section.